des crêpes Suzette tout l'hiver et tout l'été. Jamais d'escargots ni de jambonneaux, seulement des petits trucs doux et chauds. Faut voir comme elles étaient faites, ces petites spécialités qu'elles vendaient aux automobilistes et aux cyclistes et aux touristes. Faut voir comme elles étaient faites, ces petites crêpes Suzette. C'était la plus belle fille de tout le quartier. Toujours douce et gentille, tout le monde l'adorait. Mais il faut bien dire qu'il y avait une raison qui faisait sourire les hommes en toute saison. Elle vendait des crêpes Suzette tout l'hiver et tout l'été. Jamais d'escargots ni de jambonneaux, seulement des petits trucs tous et chauds. Pour voir comme elles étaient faites, ces petites spécialités qu'elles vendaient aux automobilistes et aux cyclistes et aux touristes. Pour voir comme elles étaient faites, ces petites crêpes Suzette. Parmi sa clientèle, il y avait un boucan qui vraiment s'est pris d'elle, puis il l'épousa. Et depuis, Suzette a changé de métier, sage, discrète, toute la journée. Elle ne vend plus ses crêpes, Suzette, tout l'hiver et tout l'été. Y'a que des escargots et du jambonneau au menu de leur petit bistrot. Bien que ses clients regrettent ces petites spécialités qu'elles vendaient aux automobilistes et aux cyclistes et aux touristes. Bien pour un gars qu'elle apprête ces petites crêpes Suzette. Ses clients regrettent ces petites spécialités qu'elle vendait aux automobilistes et aux cyclistes et aux touristes. Pour un gars qu'elle a fait ces petites crêpes Suzette.